retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue aux anciennes ainsi qu'aux nouvelles venues sur ma chaîne. Donc aujourd'hui ce sera un tuto coiffure. Comme vous le voyez sur ma tête, je porte des vanilles, des grosses vanilles qu'on appelle Havana Twist. Donc en gros, j'ai utilisé une technique qui fait qu'on ne voit pas que ce ne sont pas vos vrais cheveux en fait. Et je vais vous montrer tout ça à la suite de la vidéo, donc vous pourrez voir comment je réalise la vanille et aussi par la suite je vous montrerai des idées coiffures à réaliser avec ce type de coiffure. Donc c'est une coiffure assez basique, je les ai faites moins longues que d'habitude, donc elles m'arrivent au niveau du haut de la poitrine pour pouvoir réaliser justement plus de coiffures, parce que plus c'est long, moins c'est vous aurez du mal à réaliser des coiffures stylisé. Alors que si vous faites une longueur assez courte, vous allez pouvoir jouer avec, vous amuser avec la coiffure. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu plus des Havana Twist. J'ai mis à peu près 4 à 5 heures pour réaliser cette coiffure. J'ai utilisé 5 paquets de mèches afro twist braid, enfin c'est des afro kinky mais qui sont longues, que j'ai coupées en 2 fois. En 2 fois, c'est ça. De toute façon, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la coupe des mèches pour pouvoir les poser sur ma tête. Là, je vais vous parler en fait surtout quelques astuces pour éviter de perdre vos cheveux au niveau de vos tempes et aussi au centre de votre tête. Évitez de trop serrer lorsque vous faites des extensions, tout simplement parce que ça va jouer une tension énorme sur vos cheveux et ça et faire des mèches beaucoup plus petites que celles que vous ferez au milieu de votre tête ou à l'arrière. Mais le devant de vos cheveux, il faut vraiment y faire gaffe parce que ça prend du temps à repousser, ça prend des années et ça prend des soins également réguliers. Aussi, pensez à proportionner la taille du tracé et la quantité de mèches que vous allez poser à ce niveau-là, parce que ça va jouer, comme je vous ai dit il y a 2 minutes, ça va jouer beaucoup sur la tension de vos cheveux, donc proportionnez vos tracés et la quantité de mèches que vous allez utiliser. En ce qui concerne l'entretien des Havana Twist, c'est hyper simple, vous n'avez pas grand chose à faire vu que vos cheveux sont protégés, mais vous pouvez hydrater à peu près tous les 2 jours, ou dès que vous sentez que ça vous démange un petit peu, vous pouvez hydrater votre cuir chevelu avec un vaporisateur d'eau mélangé avec une huile. Généralement l'huile d'olive, ça marche beaucoup sur les démangeaisons, donc je vous conseille de faire un petit vapeau. Et si vous avez un petit émollient ou de la glycérine, ce sera très bien, ça va rendre homogène la composition. Vous pouvez faire un shampoing uniquement sur votre cuir chevelu, épargner les mèches, je vous avais fait une démonstration, je vous mettrai le lien de la vidéo. Et c'est comme ça, vous éviterez de trop mouiller les mèches et que ce soit trop lourd et que ça casse vos cheveux à la longue. Pour dormir, vous avez juste à les attacher pour qu'il n'y ait pas trop de mouvements brusques pour vos tempes, bien évidemment. Donc voilà, je crois que pour les conseils, c'est à peu près tout. Vous n'avez pas grand chose à faire. On va passer tout de suite au tutoriel. Je vous dis à très bientôt.